Vous l'avez dit vous-même, cette grande mobilisation des Saint-Lugiens et des Saint-Lugiennes qui ont tenu à accueillir le président Idrissa Seck, qui ont également tenu à nous accompagner, moi et le président Bougane, dans cette procession pour préparer la venue du président Idrissa Seck. Je vous salue, merci. Merci. Cela témoigne une grande affection que les populations ont à l'endroit du président Idrissa, mais également un grand espoir qu'il porte au candidat de la coalition EDI 2019. Il est attendu, il est à 1 h de Saint-Louis et vous avez vu cette grande mobilisation, cette forte effervescence, ce qui veut dire que le président Macky Sall a échoué, il a perdu le département de Saint-Louis. Et le 24 février, vous allez vous rendre compte que les Saint-Lougiens ont choisi le candidat de la coalition EDI 2019, le président Idrissa Seck. Et c'est le lieu de remercier et de féliciter mon ami et frère, le président Bougane Dany. Vous avez remarqué, partout où on est passé, les populations sont sorties, l'acclamer et également l'encourager dans ce choix qu'il a fait d'accompagner le président Idrissa Seck. Après le 24 février, naturellement, nous allons nous retourner, nous concentrer sur les solutions à apporter aux différents problèmes auxquels nos compatriotes sont aujourd'hui confrontés. La violence est toujours à regretter, elle est toujours à condamner. Et je pense que c'est le lieu de faire un appel à tous les acteurs politiques, à plus de sérénité dans cette campagne électorale, parce qu'au-delà de tout, ce pays nous appartient. Et chaque candidat a aujourd'hui l'ambition de construire ce pays-là et on ne peut pas construire dans une dynamique de destruction. Et la destruction, c'est aujourd'hui éviter la violence dans cette campagne électorale. Je pense que c'est à bannir. Et aujourd'hui, j'appelle en tout cas tous les candidats, comme le président Idrissa Seck l'a fait, à plus de sérénité pour qu'on puisse, le 24 février, donc, choisir le président de la République. Et je pense qu'avec ce qu'on a vu ici, et dans les 45 départements qu'on a eu à visiter, ce choix est clair, c'est le choix porté au candidat de la coalition EDI 2019, le président Idrissa Seck.